parlé la dernière fois, donc c'est une vidéo haul, solde, donc pour bébé, bébé fille, bébé garçon. Vous allez voir que j'ai pris quelques petites choses pour chacun, sachant que voilà, donc j'ai fait vraiment de grosses soldes. C'est rare que ça m'arrive d'en faire autant, mais il y avait vraiment des super offres sur certains basiques, donc je ne pouvais pas en fait ne pas les prendre, parce que comme vous le savez, je prends toujours, en fait je fais toujours les soldes pour l'année suivante. Donc par exemple là, j'ai fait les soldes pour l'hiver prochain en majorité, à part pour Charlotte bien sûr, vu qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas, donc j'ai beaucoup d'affaires que j'ai récupéré de sa grande sœur Jeanne, mais comme les saisons ne coïncident pas du tout, il y a quelques petites choses qu'il me fallait pour cet été. Donc voilà, j'ai fait quelques petits achats, même si voilà, j'ai quand même beaucoup de vêtements pour Charlotte, donc j'ai pas énormément de dépenses à faire de ce point de vue là. Je tiens à préciser quand même, avant de commencer réellement la présentation de mes achats, que je suis avec ma petite Charlotte qui est juste à côté de moi là, donc je préfère vous prévenir, si vous entendez des petits reniflements ou des petits balbutiements, ben voilà, c'est ma Charlotte qui est juste à côté. Donc on va commencer tout de suite, c'est un petit peu dans le désordre, que ce soit en matière de habits pour bébés garçons, bébés filles, les âges, les marques, voilà, tout est dans le désordre. Mais je vous avoue que même cette vidéo, voilà, je viens de me poser pour la faire, mais j'avais pas prévu de la faire parce que je voulais la faire avant, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je me suis dit avant le week-end, je me dépêche de la faire parce que sinon je ne la ferai jamais et tout sera rangé et voilà. Donc pour commencer, je vais vous parler d'une super affaire, même si je vous avoue, voilà, j'ai passé commande sur un site en ligne devait donc me livrer il y a quelques jours, sauf que voilà, c'était dans un pick-up, un relais pick-up, hein, comme vous savez, de la poste. Sauf que je devais avoir cette commande en deux colis, et l'un des colis, je n'ai pas les codes, donc du coup je n'ai pas fait récupérer une partie de ma commande. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que c'est la deuxième ou troisième fois que j'ai des soucis, ou c'est peut-être la troisième fois que j'ai des soucis avec ce site à chaque fois que je commande. Donc le site en question, c'est le site Auchan. Je ne sais pas si vous savez, mais Auchan fait vraiment des petits habits assez mignons, mais pas très chers, même en temps normal, en dehors des soldes, pour les bébés. Et donc après, pour les petites filles, petits garçons, voilà, c'est un peu plus comme pour toutes les marques. C'est vrai, vous savez bien que la marque devient un petit peu bling bling plus on avance dans l'âge de l'enfant. Mais voilà, donc Auchan fait des petites choses vraiment sympas. Et donc là, c'était un peu voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'on sait jamais réellement, hein, quand on voit en ligne, c'est pas exactement que quand on voit, c'est pas pareil que quand on voit en vrai, quoi. Donc j'ai acheté pas mal de choses, mais vraiment beaucoup de choses pour pas très cher, parce qu'il y avait pas mal de basiques comme des leggings, des choses comme ça qui m'intéressaient. Et donc pour Charlotte, j'ai pris cette combi couleur corail mais assez soutenue, qui est donc comme vous le voyez hyper mignonne, hein, donc froissée bien évidemment, vu que je n'ai pas encore repassé ni lavé d'ailleurs les vêtements, qui est vraiment adorable. Et je crois que j'ai payé rien du tout, donc j'ai plus du tout les étiquettes, j'ai tout coupé. Toujours chez Auchan, c'est assez dur à dire, toujours chez Auchan, j'ai également pris un ensemble pour Charlotte pour cet été ou printemps, je sais pas trop, on verra bien en fonction de comment elle taille, hein. J'ai pris un ensemble qui était vraiment pas très très cher également. Donc avec un petit t-shirt comme ceci, en fait je vous le présente parce que je trouve l'ensemble mignon, mais surtout le t-shirt en fait, parce que donc le bas c'est un genre de corsaire jaune pastel, comme d'ailleurs Jeanne avait à une époque. Et le haut c'est ça, donc c'est un petit haut blanc avec, bon, un cactus, on s'en fiche, mais c'est surtout que je trouve le rose, enfin, c'est un corail assez fluo mais qui est magnifique, mais vraiment avec les petits pompons. J'adore les petits pompons sur les bords. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour ces pompons et la forme du t-shirt en fait. Vous voyez, c'est cintré à ce niveau-là. Je trouve ça adorable et je suis sûre que ça va trop bien aller à Charlotte. J'aime vraiment beaucoup ce haut, je ne sais pas pourquoi, alors que voilà, c'est un cactus et je suis un peu contre toutes ces modes, genre les flamants roses, les ananas, etc. etc. Mais alors là, j'avoue que j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez bien parce que avec la luminosité, je ne sais pas trop. J'espère que ça va bien rendre. Chez Kiabi, j'ai trouvé un petit legging que je trouve même tellement mignon. Il payait pas de mine, vraiment, sur le site. On aurait dit un legging basique, vraiment. Il n'avait pas l'air dingue ou quoi. Mais alors, en le recevant, j'ai trouvé tellement mignon. Regardez-moi ce motif. Je le trouve tellement beau.
J'espère que l'appareil lui rend vraiment justice parce qu'il est vraiment vraiment mignon et donc il est long, léger et c'est une taille d'ailleurs 5 ans, oui. Je pense que ce sera parfait pour l'automne et peut-être pour la fin de l'été. On verra bien en fonction de comment, voilà, déjà qu'elle met du 4 ans, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu serré. Je sais pas, elle a grandi comme pas possible quand j'étais à l'hôpital, c'est fou. Du coup, voilà, elle va vite approcher de la taille 5 ans, je pense. Même si elle n'est pas hyper grande pour son âge. Enfin, elle est dans la moyenne, quoi. Donc voilà pour Jeanne. Toujours pour Jeanne. Alors là, je ne sais plus où est-ce que j'ai trouvé ça. C'est chez Kiabi. Ah oui, j'ai trouvé un pyjama, mais que je trouve assez simple, mais vraiment très mignon. Donc c'est un haut comme ceci, avec donc, une dorure. Donc ça, c'est le genre de truc que ma fille adore. Elle adore quand il y a des personnages, c'est fou. Des têtes de bonhommes, de petites filles... qui brille. Alors là, si ça brille, c'est waouh, elle adore tout ce qui brille, tout ce qu'on peut toucher, voilà, le volume, le 3D, elle adore ça sur les t-shirts. Et du coup, il y a cette petite tête de fée qui brille, et le bas, c'est un tout simple, basique, assez léger, hein, par contre, c'est un pyjama plutôt d'été, printemps quoi, qui est comme ça, gris pâle, avec donc les pieds toujours resserrés, hein, chez Kiabi, c'est comme ça les pyjamas. Ensuite pour Charlotte, j'ai pris chez Monoprix. Alors là j'ai trop craqué sur deux petites tenues, mais en fait j'ai craqué sur toute la collection pour les petites filles. C'était tellement mignon, mais alors il y avait plein de choses qui n'étaient pas en solde. Mais même ce qui était en solde, j'aurais pu tout prendre. Voilà, c'est vraiment parce que j'ai pas excessivement besoin, j'ai pris ça pour me faire plaisir. Mais honnêtement, elle a tellement d'habits que ça aurait été abusé, sachant que voilà, j'ai beaucoup de stock dans les placards, j'en peux plus des vêtements. Je passe mon temps à les trier, à les ranger, à les trier, à les ranger, à les laver, et voilà. Donc bref, j'arrête la parenthèse sur ma vie, mais j'ai trouvé ceci chez Monoprix. C'est donc une petite robe pour cet été, pour Charlotte, que je trouve vraiment trop mignonne, regardez avec les petits nœuds. Voilà, ça me fait trop craquer, c'est le genre de truc que voilà, j'avais un petit peu oublié, le rayon des mini bébés filles. Mais qu'est-ce que c'est mignon, franchement, hop, adorable. J'ai vraiment hâte de l'avoir dedans, j'espère que ça lui ira. Et comme je vous ai dit, j'ai pris également autre chose, j'ai pris cette robe qui est mignonne comme pas possible, avec des petites fleurs marron, beige et rouge. Vous voyez le motif, resserré à la taille. Un tissu qui me fait penser un petit peu à un tissu, comment on appelle ça déjà, vous savez là, les tissus un peu de l'ange, qui est vraiment hyper mignonne, avec une culotte bloomer en dessous. Et j'aime énormément cette robe, j'ai hâte de l'avoir dedans aussi. Chez Monoprix, pour ma Jeannette, j'ai pris un manteau. En fait, j'ai pris des manteaux pour mes deux grands, hein, parce que bon, Charlotte aura ce qu'il faut niveau manteau. De toute façon, pour le moment, elle n'en veut pas, elle est vraiment trop petite. Mais là, j'ai fait le stock de manteaux pour les enfants pour l'hiver prochain, l'automne prochain. Voilà, vraiment, ils ont ce qu'il faut. Et donc, je voulais vous montrer ce manteau parce que je le trouve vraiment trop mignon. Il me rappelle un manteau qu'elle avait quand elle était plus petite, qui était aussi un trench. Donc, je vous présente un trench. Celui qu'on avait acheté, c'était un de chez Zara. Et elle avait quoi? Elle avait 8-9 mois. Et elle le mettait, elle est trop mignonne avec. Et donc ça m'a rappelé un peu celui-ci. Mais celui-ci, c'est de chez Monoprix Kids. Donc pas Bouchou, hein, bien sûr, vu qu'elle est grande maintenant. Et c'est une taille 5 ans. Donc c'est pour l'an prochain, l'automne prochain. Et c'est également un trench donc de chez Monoprix, que je trouve vraiment trop trop mignon. Regardez. Il y a juste quelque chose qui manque selon moi, donc il y a bien la capuche, voilà, le tissu est vraiment très mignon, les boutons aussi, etc. Mais ça manque une petite ceinture en fait, je trouve qu'il manque une ceinture pour resserrer, que ça fasse vraiment effet trench et pas juste veste en fait. J'ai l'impression que ça fait, enfin manteau, ça fait vraiment un peu entre manteau et veste. Et pour que ce soit un vrai trench, je pense qu'il faudrait la petite ceinture, mais c'est pas grave parce que je trouve que voilà, il est vraiment trop mignon ce manteau. Il était soldé, mais il était quand même... pas si soldé que ça, je crois que c'était genre 30%. Par contre voilà, il est vraiment trop mignon, il lui en fallait un plus classe quoi, et voilà, je me suis dit on va prendre celui-ci. Pour ma petite Jeanne, j'ai ensuite pris ce petit gilet, le basique de chez Basique, classique, etc. mais au rayon donc, petite fille cette fois-ci. Donc voilà, Jeanne est passée depuis ses 3-4 ans quoi, enfin ses 3-4 ans, elle a 3 ans, mais depuis qu'elle lui met du 3 ans, elle est passée donc au rayon petite fille, elle n'est plus au rayon bébé, et du coup voilà, là on retrouve le même modèle que pour le rayon bébé, mais au rayon petite fille chez Zara, qui est un basique. Donc j'ai pris celui-ci, donc couleur gris anthracite, qui est magnifique, je vous présente un peu plus de plus près. Voilà,
J'aime énormément leur gilet chez Zara. Ensuite, toujours chez Zara, j'ai pris un manche long pour l'an prochain, également pour l'école. Oui, voilà, je me projette déjà à l'école. Ce sera en moyenne section, et oui, ce sera fou déjà. Donc un comme ceci, donc qui peut paraître assez basique, mais comme vous voyez, hein, déjà la couleur est quand même... voilà, c'est un vert que j'ai déjà beaucoup pris chez Zara lors d'une commande passée, hein, je pense que vous vous souvenez. Mais c'est surtout un t-shirt manche longue qui a un petit nœud en bas qui resserre le bas donc, du t-shirt. Avec une double matière en fait, vous avez une matière plus légère en haut, plus douce, et un peu plus rêche en bas. Enfin rêche, j'exagère, hein, c'est juste qu'il y a un peu de relief. Et voilà, je le trouve vraiment trop mignon, ça lui ira trop trop bien. Pour Charlotte, j'ai pris chez Zara trois petites choses, donc pas grand chose, mais quand même je me suis dit que ce serait vraiment très utile pour l'automne-hiver aussi. Un t-shirt manche longue avec des petites poches et des petites étoiles à paillettes en bas, vous voyez. Encore froissé. Voilà, je ne repasse pas avant de laver bien sûr. J'ai également pris ce t-shirt manche longue avec une petite broderie devant au niveau du col qui sera parfait pour les fêtes, donc c'est vraiment un rouge plutôt cerise que ketchup, hein, vous voyez. Il est magnifique, en vrai il est vraiment très très beau avec derrière le petit bouton pour laisser passer la tête. Et donc le troisième t-shirt, c'est celui-ci qui est blanc. C'est un vrai blanc, c'est pas un blanc cassé, avec plein de petits reliefs de petites fleurs, de genre de petites fleurs, comme ceci. Magnifique, vraiment tout doux, léger, agréable. Et au niveau du col, à l'arrière, vous avez des petits boutons, voilà, imitation bois, qui sont vraiment très mignons. Pour Marceau ensuite, donc je vais pas vous présenter beaucoup de choses, pourtant il y a eu énormément de choses, hein, voilà, surtout des basiques. Mais je voulais quand même vous présenter le fameux polo de chez Zara, que je trouve magnifique. Donc je l'ai pris en bleu ciel, voilà, il est parfait. Et donc je le trouve magnifique, d'ailleurs je l'ai pris en version manche courte, en bleu. Un bleu genre océan soutenu, qui est magnifique. Voilà, donc ça ira très très bien à Marceau, je suis sûre qu'il sera trop trop mignon. C'est également pour l'an prochain, donc ça paraît assez grand, c'est normal. C'est pas pour tout de suite, hein, c'est du 3 ans, sachant que là il met du 2 ans déjà depuis un moment. Donc voilà, je pense qu'il va quand même mettre assez rapidement, vu qu'il grandit comme pas possible, c'est hallucinant. Ensuite, pour Jeanne, j'ai pris chez Zara un pantalon comme ceci, qui est en fait imitation legging épais, avec un motif carreau. Voilà, assez chic, vous voyez, un peu genre à l'ancienne, et que j'aime beaucoup en fait, j'aime énormément. Je crois qu'il y avait d'autres coloris mais qui étaient plus dispo non plus, donc voilà, j'ai pris celui-ci pour la mettre pour cet automne. Et enfin, je lui ai pris un t-shirt manche longue rose pâle. Il est vraiment très joli, donc vous voyez, avec le petit motif de vent au niveau du col, les manches longues, il n'y a rien de particulier à part ça, mais voilà, rien que le petit motif du col, ça fait quelque chose en fait, ça donne un petit style vraiment mignon, romantique, et la couleur est vraiment très jolie, c'est un rose un peu poudré, pastel poudré, j'adore. Donc voilà pour la vidéo haul solde bébé, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré comme achat dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que vous allez tous, toutes très bien. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !